Oui, question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous présenter? Alors, je m'appelle Léger Diba, je suis software architect, je suis directeur de IDEV Technologies et directeur du Centre africain de mise à niveau. Alors, IDEV Technologies est un département spécialisé de la société IDEV IC. Alors, son objectif est de trois niveaux. Le premier niveau, c'est de percer le marché de la production logicielle pour les entreprises et la production logicielle en interne, donc la création d'applications sur mesure. Deuxième niveau, c'est de percer le marché de la maintenance des matériels lourds, comme la maintenance des serveurs, la maintenance des applications, maintenance curative, évolutive, préventive. Et troisième niveau, c'est de mettre en place un centre africain de mise à niveau. Et c'est l'objectif de la rencontre sur IDEV Code Lab 2014. Alors, notre vision est forte et sans équivoque, c'est-à-dire que c'est une vision viscérale. IDEV Technologies a comme vision d'utiliser la technologie pour développer l'Afrique, parce que nous sommes convaincus que seule la technologie ou il ne peut pas y avoir de développement sans la technologie. Donc, l'objectif pour nous, c'est de donner l'accessibilité aux Sénégalais en particulier, aux Africains en général, l'accessibilité à la technologie avec une formation forte, une formation courte durée, mais avec une formation qui permet à l'agent de sortir et d'avoir automatiquement du boulot. Et c'est pour cela qu'on les a appelés les Practical Project-Based Training. Donc, on les a appelés les Practical Project-Based Training. Alors, le Centre africain de mise à niveau, pourquoi? Parce que simplement, il y a une philosophie qui est générale ici, c'est que quand un étudiant sort de l'école, il est obligé de chercher un stage pour trouver, pour être performant en entreprise. C'est parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre, les besoins de l'entreprise et les besoins de formation. Donc, l'objectif pour nous, étant une entreprise, sachant les besoins en entreprise, nous avons décidé de créer un centre africain de mise à niveau qui permet à l'étudiant, à sa sortie, d'être automatiquement utilisable en entreprise et d'être productif. Donc, c'est des Practical Project-Based Training. Alors, IDEV a été créé en 86. Donc aujourd'hui, on est à 26, 24, 26 ans d'expérience sur le marché.